Jonah, t'es là? Merde. Impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Tu calmes, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long. Lara! Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Mais pourquoi les Trinitaires feraient ça? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Qui a bien pu y toucher? Lara! Il faut qu'on sorte d'ici! Lara! Non, j'ai besoin de ça! Allez! Tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Mmh. Je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Aïe,
Du nouveau sur le docteur Dominguez? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil? Pérou. Pérou. Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8? Avec la précession, c'est... Quoi? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue? Docteur, on a trouvé. Oui? Montrez-moi. T'as entendu ça? Voyons, y va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Aider les Trinitaires. Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel. La clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Jonah? Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydre. Mais les étoiles ont l'air mal alignées.
Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, faut réfléchir. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. La cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous! Vous auriez fait la même chose! Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consume. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. La seule à pouvoir faire quoi?
Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hé ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Je vais...
J'ai cru que t'étais mort. Hé, tu sais où est passé Miguel ? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras ? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Et c'est toi ? T'es sûr de savoir ce que tu fais, là ? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête ? Celle de la fresque ? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on recule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah ? Hé, je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes ? Qui empêchera les Trinitaires d'agir ? Parfois.
Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie ? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi ? On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. À 3, 2, 1... Ça va aller ? Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents... Ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui ? C'était tellement réaliste.
Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça avance tes exercices de maths ? L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini ! Le cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit : Non ! Je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point. Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession ? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang ! Rien ne vous oblige à vous. Papa ? Allons, je vous en prie. Vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois... qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa !
Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Merde, les Trinitaires, planque-toi. Merde. C'est coincé. Sois ça. Comment on va régler ce problème ? Reste derrière moi. Comment tu veux que je le sache ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Recule, cache-toi. Toi, l'expert en logistique, non ? C'est pas moi qui me suis engagé sur un pont pourri. Oh, une seconde ! Je m'en occupe ! Pas besoin, c'est des alliés. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions. Mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby, Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, 3. Et donc, vous êtes là pour quoi exactement ? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Crashé ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle, l'archéologue. Moi, je fais la popote. Vraiment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où, cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines, pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Oh, non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûr ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait ? Jonah, regarde. Ishel et Shakshel, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée.
jumelles. La vie et la mort. Jonah, j'ai trouvé un temple. Super! C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Jonah? Salut, Lara. C'est Abby. Ah, salut, Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Hé hey. T'es déjà allé là-dedans ? Non, on t'attendait. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis ? La fresque montrait une série d'épreuves. Je connais peut-être un autre passage. Ok, je passe devant, on se retrouve de l'autre côté. Qui est là ? Ça va ? Je peux vous aider. Va-t'en ! T'as rien à faire là ! Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici ? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés ? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils ? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire ? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire ? La voler ? La vendre ? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi ? Pourquoi tu les détestes ? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci ? Vous savez ce que c'est ?
c'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil, alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? C'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etsli, donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. C'est très beau ici. Silence. C'est juste incroyable. Haken! Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. Quoi? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut. Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan, mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici, mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sahiri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sahiri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère! Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Hakan, assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. (t'en)
Letzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suetzli, ta tenue ne trompera pas longtemps ces gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. C'est le petit prince rebelle. Letzli ! Unuratu ! Letzli s'est fait prendre. Je sais. Ils le retiennent dans la caserne. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé, je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi ? C'est une clé. On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Si la boîte d'Ishel a un lien avec la caserne, c'est pour ça que le culte s'est installé au temple ? C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret, silencieux. Il y a un passage ? J'en connais un, près des mines de sel, mais c'est en très mauvais état, très dangereux. Je peux peut-être y arriver. Peut-être. Tu as survécu à la fosse du sacrifice ? Je n'y suis pas retournée depuis mon enfance. Mais si j'en crois mes souvenirs, la caserne est dans une forteresse intérieure. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Etzli, et puis ensuite la boîte. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte.
verrai ces créatures, mais elles sont... magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là ! C'est forcément là ! De Nouratou. Mais où est la boîte ? Non, une secousse. Peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Unuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akan y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici ? Je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Lara. Je vais la retrouver. Je sais. Lara. Oui ? Je suis Koryanka. Unuratu ne tarit pas d'éloges sur toi. C'est moi qui ai ouvert la voie vers l'ancienne caserne quand Edsley a été capturé. Toi aussi tu as participé. Nous sommes deux sœurs dans cette cause. Ah, je vois. Ton tatouage, tu es... Une Kwashik, oui. Mais c'était une autre vie. Avant Amaru, quand nous avions d'autres valeurs. Il a dissous mon ordre pour le remplacer par ses prêtres. Il ne reste plus que moi. Mais j'ai fait le serment de ne jamais faire un pas en arrière sur le champ de bataille. Alors aujourd'hui, je porte les couleurs de la rébellion. Je réponds aux ordres d'Unuratu. Je connais bien la réputation des Kwakshikai, historiquement parlant. C'est un honneur. Je te remercie. Je t'ai entendu parler de l'empereur Sinchishika. Oui, le premier empereur de Paititi. C'est l'ancêtre d'Unuratu. Il a créé cet âge, tout ce que nous voyons, touchons, sentons. Tout ce pourquoi nous combattons. C'est la première fois que j'entends parler de ce bouclier, le... Le bouclier du faiseur d'âge. C'est la preuve pour cette rébellion que c'est bien Unuratu qui mènera Paititi dans son nouvel âge. Le rituel d'ordination y est détaillé. Il prouvera que la reine Unuratu est la prochaine faiseuse d'âge, qu'elle seule peut créer la destinée. Et pas ce dieu imposteur, Amaru. Et où est ce bouclier ? Caché, au plus profond de la montagne, au-delà de la voie d'Urakan. La voie d'Urakan ? C'est une épreuve, conçue pour tester ceux qui cherchent le bouclier. Tu l'as déjà tenté ? C'était ma mission avant qu'Edsley soit capturé. Malheureusement, j'ai dû m'interrompre. Depuis son sauvetage, le culte sait que nous préparons quelque chose, alors... Je dois préparer nos guerriers, et le bouclier devra patienter.
Mais j'ai peur que si nous attendons trop, Amaru l'atteigne en premier et prive Unuratu de son droit. Si Amaru met la main sur le bouclier, il pourra unifier Paititi derrière l'histoire qu'il voudra et se proclamer faiseur d'âge. Il refera le monde à son image. Oui. On ne peut pas le laisser faire. C'est ce que j'espérais entendre. C'est mon ami là-bas avec Ushu. Il s'appelle Jonah. Je le contacterai si je trouve quelque chose. Je vais rester près de lui. Merci, Lara. Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait arrêter. Si mon frère était en vie, paix à son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Paititi quand l'aube se lèvera sur un monde sans menace extérieure. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Paititi. Tout. Malgré les divisions, je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur, et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Paititi ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. Nous resterons le soleil, hein? Ça ne mettrait Paititi à l'abri que quelques temps seulement. Mais ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non! Non! Nous devons être forts. Décisif. Épaule-moi. J'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan? Ou devrais-je dire les Trinitaires? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te le laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Paititi et puis, je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux, je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer, mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volée. Il y a 4 siècles. Quoi ? Tu as gâché ta vie en cherchant au mauvais endroit. Laisse-moi. N'est pas à Paititi. Je sais.
Je vais être forcée de rejoindre Amaru. Je me serais battue en vain depuis la mort de Sairi. Je ne les laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait, nous serons tous détruits. J'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'autel où se trouvait la boîte. Quoi ? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chair. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Shinshichika, le dernier empereur de Paititi. Sa tombe est dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire ? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvée. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Il risque d'y avoir des gardes partout. On arrivera à se faufiler. Ce sera dangereux. Je sais. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. T'es là, Pac. Prends cette clé. Viens, je veux te montrer quelque chose. L'éclipse se rapproche. Lorsqu'elle sera là, la boîte voudra s'ouvrir. La tentation de la boîte est très puissante. Elle cherchera à m'attirer, à me tenter de ses illusions. Une solution simple à nos problèmes. Mais elle ne me montrera que mes désirs, mes secrets les plus forts. Je me prépare depuis toujours à la combattre. Amaru n'a pas encore vu la boîte, mais déjà son pouvoir corrompt son esprit. Paititi est un peuple qui ne survit que par notre volonté, tous ensemble. Donc, si Amaru recrée Paititi à son image, c'est comme s'il détruisait tout. Oui. Le monde extérieur est une menace. Mais le risque fait partie de la vie. Nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs. Vous êtes sûr de pouvoir résister à ce pouvoir quand vous l'aurez ? Non. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. Allons-y. A dû se développer après sa mort. Ok, l'éclipse et le héron. Qu'est-ce qui manque ? Mais c'est Lopez qui a laissé ça. Le cœur du serpent est dans la coupe.
Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft. Unuhatu. Non. Donne ça, Edsley. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune, mais fort. Son esprit aussi noble que son sang. Tenez bon, restez avec moi. La boîte, elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin. Où es-tu ? Je suis sur le quai. Je te vois. Hey, on est prêt à partir. J'arrive. Où est Unuhatu ? Les Trinitaires. Elle est morte en les combattant. Où est ma mère ? Ta mère, elle... Elle s'est battue. Mais c'est l'amulette du monarque. Maintenant, elle est à toi. C'était une guerrière. L'éclipse se rapproche. Si nous ne resterons pas le soleil... Je trouverai la boîte. Je ne laisserai pas faire le culte de Kukulkan. Commencez les préparatifs pour la chambre funéraire. La reine Unuhatu vivra dans notre cœur. Ushu, aide-les pour le bateau. On va se préparer au combat. La rébellion doit gagner. On viendra. Avec la boîte. Bonne chance. Nous serons prêts quand vous reviendrez. On fait quoi maintenant ? On rentre à Kuakiaku. On fait le point, et puis on verra. Tout ça pour une nouvelle énigme. Ça disait quoi ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Bon. C'est toujours mieux que rien. Je suppose. Il faut trouver la boîte pour régler ça.
c'est la recette d'un hallucinogène, utilisé en temps de guerre. Ça devrait m'aider. Si je m'en sers sur mes flèches, ça pourrait m'être utile contre les Trinitaires. Où est-ce qu'on va? On doit bouger. J'en sais rien, Jonah! C'est quoi l'indice? Le cœur du serpent, quelque chose? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Et on parle de quoi comme coupe, en fait? Un genre de calice? Un calice, ça fait pas très Maya. Attends. C'est pas Maya. L'indice a été laissé par un missionnaire du XVIIe siècle, Andrés López, un jésuite. Le serpent dans le calice, c'est le symbole de Saint Jean. On cherche un lieu saint, catholique. Comme une église de San Juan. C'est un nom très courant. Il y en a des dizaines. Pas dans les environs accessibles de Paititi. Allez, la route est par là. On va sortir d'ici, parler à des gens. Ok. Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Nous y voilà, l'église de San Juan. On va se séparer. Je vais chercher des traces de Lopez. Et nous, on se renseigne. On va peut-être trouver quelque chose. Il y a toute une fresque là-dessous. Veracruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. La boîte d'argent. C'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous. Ouais, c'est son genre de laisser ça. T'as trouvé ? Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. Une sacrée chute. Voyons où ça mène. Deuxième station. Première chute de Jésus. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La lumière a activé quelque chose. Lara! Ça va aller. Heureusement que c'était un peu rouillé. Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples, et puis... Pas de témoin. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladés pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des Trinitaires. Et des gens de Paititi. Il était consumé par son pouvoir.
Où elle est? J'en sais rien. Il me faut cette boîte. Va te faire foutre! Bien, alors on a fini. Camaro! Stop! Relâchez-le! Dès qu'il est libre, je vous donne la boîte. Lara, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu trop de gens mourir. Je sais, oui. Votre père était brillant. On me l'a arraché avant que je puisse le savoir. C'était mon ami. Mais il était obsessionnel et implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail. Il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Paititi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats, mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi ? Allons, Lara. Ça n'est pas comparable. Ça l'est quand on n'est qu'une enfant. J'avais 9 ans. L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurez le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous, Lara? Combien de vies avez-vous prises? Et pour obtenir quoi? Là, cours! Arrêtez-le! Tu vas bien? Ouais, ça ira. Ok. Jonah! Oh merde. T'es prêt? Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Si je n'avais été toi, ça aurait marché. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. Thank you.
ça encore loin, Paititi? On y est presque. Je suis désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute. C'est Dominguez, c'est les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte et on arrêtera Dominguez. Majesté. Lara! Où est la boîte? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie, prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Je vais rester pour aider Ushu. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Ok. Comment ça avance, le plan, Etsli? On doit choisir. Ushu. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter. Mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devra être parfait, ou ils nous échapperont. On peut faire les deux? Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais je crois que c'est la meilleure option. Bien. Alors, à vos ordres. Allez, préparez-vous. On y va. C'est là qu'on se sépare. Ton chemin va par là. C'était la destinée de Nuratu. Le feu cramoisi, c'est toi. Je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan.
avoir ton pouvoir. Ils t'obéissent? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux. Non. Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non. Non. Jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Pas que vous. Nous tous. Ensemble. Je crois
En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasse l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Unuratu. Ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me manques. Et... son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui ? La jungle te manque ? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson ? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi alors ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Maitsley va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Wow. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être. En apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Etsli, essaies-tu de montrer les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler,
Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah. Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Du thé, Miss Croft ? Volontiers. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison.